amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. C'est avec un pile plaisir, après un mois de football, eh ben, Haïti 360 tourne sous l'écran, l'entrée de la caillou, pour le vivre continuer à faire. Promotion, connaissance éclairée, connaissance utile, qui permet que nous construisions le pays d'une autre façon, qui permet que nous construisions l'avenir d'une autre façon. À ce moment-là, Jean, tout le monde connaît le pays a été connu en pile bouleversement durant la semaine qui se passait. Côté, il y a des gens qui sont dans la rue à cause du prix carburant, d'après ça qui dit. Il y a tout en séance d'interpellation au niveau de la Chambre des députés. Et bien, nous ne pouvons pas déroger à sa actualité à commander nous, qui donc parler politique en émission pour la Haïti 360. Et c'est justement ça nous allons faire avec deux invités, deux monde qui c'est des acteurs prépondérants en dans acte fait en dans chambre députée à samedi qui se passé là. Nous allons gagner pour nous tourner sur séance avec eux. Mais surtout, il y a une question qui tracasse tout le monde en dans société ça, c'est quoi la suite après démission Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. On va découvrir invité yo ensemble avec tout de suite après pour ça. Jeudi à c'est 16 juillet, n'a salué tout pèlerin qui a fêté avec Saint-Yo dans différentes communes. Nous connaissons moun Sodo, moun Mariaman qui a célébré jour 16 juillet ça, gagne moun nan Grand-Gouave dans 15 Kof tout qui gagne même patron nan qui a célébré. Et moun sont dit bonne fête et moun qui remet champette, mais champette la mi en dans pays d'Haïti, continuer à faire champette, à découvrir beauté intérieure pays ça parce que pays ça c'est plus que capitale là, mais c'est toute l'autre ville avec tout ça gagne pour offrir. Champette de côté, politique la prend pied en Haïti 360. N'a pas se voir pour Assoya. Député Jean-Marcel Luméran qui représente Grand-Gouave. Bienvenue député. Bonsoir. N'a pas se voir pour tout. Bonsoir. Député Alfredo Antoine qui représente circonscription 15 Kof en la chambre députée. Eh bien, député et Alfredo Antoine, bienvenue et bon débat avec confrère en le parlement parce que Assoya, je pense que pile parole qui peut parler, surtout après l'événement week-end dans Jean d'Abdilla et surtout séance qui était en pile controverse, mais tout qui était en pile anxiété quand même parce que suite là, en pile monde dans la même connaît, un gouvernement démissionné, il faut que l'autre qui remplace et processus par rapport avec l'aide que l'exécutif a mis dehors, tu as supposé commencer dès demain avec consultation que tu as faite avec le président Sénat, M. Joseph Lambert. Député Luméran, ou même qui était au cœur de l'actualité, qui tape l'émotion de censure là en parlement, pratiquement monde qui n'a pas de configure, je ne vous dis là, ou une extrêmement populaire, séance ça. Son séance qui est cassée, même Jean Tout qui en pile qui est content pour les gens qui t'a demandé de monsieur Premier ministre. Qui ça, yon moun qui pas fin trop comprendre la politique t'a retenu de ce ça? Moi salue, Lionel, moi salue tous les amis, tous les spectateurs TNH, et particulièrement les amis nous dans Grand-Gouave et tous les amis qui en dans ou de yon pays qui a gardé nous à soya. Donc il faut me faire genèse question pour nous. Et séance qui fait samedi, que nous qualifions de séance historique, puisque c'est la première fois dans l'histoire du Parlement que la Chambre des députés vivait fait un gouvernement dans son ensemble capitulé. La Chambre des députés n'a jamais poussé, conduit à la démission ou au vote de censure d'aucun Premier ministre. C'est la première fois et c'est ça fait cette séance-là très très importante pour nous. Et mais moi pense que son séance qui baille d'un côté la satisfaction, de l'autre l'insatisfaction. Il m'a expliqué deux éléments. La satisfaction, pourquoi? Parce que en avril dernier, nous 16 collègues de la minorité et qui sont dans plusieurs tendances politiques, pas nécessairement de même parti et politique, nous réalisons que le gouvernement de M. Jacques Guy Lafontaine n'est pas délivré, n'est pas rivé sous population. Et des cris commençaient à soulever en la population de part et d'autre. Et que nous dit, en tant que député, qui est représentant de circonscription, nous, il faut que nous questionnions le gouvernement pour nous demander ce qui ne marche pas. Parce que nous connaissons
c'est une étape, c'est une procédure dans le contrôle parlementaire. Mm-hmm. Et que c'est une procédure qui a sorti de contrainte. Mm-hmm. Parce que son séance, dès qu'elle est faite, elle doit être conclue par un vote qui gagne deux modalités. Voter contre motion de censure, donc confiance pour le gouvernement. Mm-hmm. Voter pour motion de censure, donc rejet du gouvernement. Mais non satisfait dans le sens que on était de la minorité et la majorité qui a toujours imposé sa loi, ils ont fait nous traîner pendant plus que 2 mois. Mm-hmm. Et personne n'a jamais pensé que c'est ça son responsable. Pardon, venir sur la question majorité, il y a une bonne question qui vient dans l'esprit là par rapport avec l'inquiétude dans le monde. Il y a toujours le Parlement comme une entité qui est excessivement présente dans l'exécutif là par rapport, des fois à chantage, à la politique, mais tous des postes à pouvoir que vous baillez des parlementaires ou des groupes parlementaires. Soutain, est-ce que quelque part, motion de censure ça par rapport avec perception de gagner du Parlement, de Chambre députée, et pour nous plus précis, il n'y a pas d'apparaître toujours une motion de censure qui fait non seulement contre l'exécutif, mais également contre le Parlement. Et si vous permettez, moi, je vais avancer. Mm-hmm. Et on a parlé de satisfaction. Mm-hmm. C'est parce qu'on est de la minorité. Personne ne peut espérer. Quand ça va aller, 16 nègres, nous avons assemblé 117, pas grand-chose de sérieux que vous avez fait. C'est comme si la majorité nous avait lancé un défi. Mm-hmm. Nous dit que la défaite du droit est toujours provisoire. Nous avons qu'imbé la Constitution, le règlement intérieur de la Chambre des députés et les lois de la République côté nous. Mm-hmm. Et nous poussé jusqu'à ce que c'est en santé fixé pour le 28 juin 2018. Ça veut dire que ce n'est pas les événements qui se sont produits la semaine écoulée qui poussaient ces interpellations. Ils permettent que c'est ce qui était mis en continuation faite en date du 14, mais c'est une demande qui a été déjà engagée depuis en avril 2018. Il faut que je fasse des questions. Mm-hmm. Insatisfaction pour qui ça? Insatisfaction parce que c'est un slam pour nous, il n'y a pas répondre à rendez-vous, mm-hmm. histoire d'apprendre de répondre. Lorsque vous avez un premier ministre qui, de manière confiante, les dit que l'Ibral dans l'Assemblée pour affronter les députés, c'est mm-hmm. qu'il à la nation, il dit qu'il pour un message. À la nation, il dit qu'il y a un élément, moins besoin à le dire devant parlementaire. Mm-hmm. Et nous-mêmes, les 16, nous avons soif. Parole qui pour l'instant vient d'innation, ça a été gagné pour comme affrontement. Parce que nous autres, un parlementaire n'a pas à affronter un gouvernement. Mm-hmm. Un parlementaire, il est là pour faire action de contrôle. Qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les raisons, quels sont les handicaps. Mm-hmm. Et lorsque le premier ministre, de manière confiante, il a fait ça, nous dit, ah bon, c'est intéressant, nous allons avoir une séance côté qui pourra gagner des débats, qui pourra capter. Attention, grand public là, et grand public là, pas joindre des éléments qui a sorti à la fois de côté par nous autres interpellateurs avec l'argumentaire que nous allons présenter, et du côté du Premier ministre qui pral en réponse à l'argumentaire nous, et bah, des réponses qui pral satisfaire grand bien. Public là. Malheureusement, et après, pas même rentrer dans l'argumentaire là, pas même rentrer là-dedans, après, nous faisons un petit survol sur quelques éléments de notre argumentaire, nous te réservons nous pour qu'en séance de questionnement, que nous avons étalé un ensemble de points que chaque collègue, Bossema, Nes, Sinal, Décolle, chaque collègue qui a fait un bagage pour nous. Mais malheureusement, nous ne sommes pas arrivés dans ça. Et de plus, après une suspension demandée par le président du bloc majoritaire, et nous étonnés, le Premier ministre, là, de faire un bagage grave. Mm-hmm. Très grave, pour le parler, il doit avant même l'été arriver dans la salle là. L'été démissionné. Ça veut dire quoi? Non, justement, c'est la même satisfaction. Ça veut dire l'espace de la Chambre des députés, c'est un espace sacré. Mm-hmm. C'est un espace privilégié. Mm-hmm. Il n'y a pas à n'importe qui pour gravir la tribune du Parlement. Et si vous n'avez pas de titre, ou pas de qualité, ou pas de tribunal. Et lorsque vous avez procédé comme ça, moi, je peux fragiliser la tête, puis plus toujours, il n'a pas aidé réellement à une sortie heureuse de la crise côté nous en entrée de la journée.
Alfredo Antoine, ou même tous son acteur important en dans sa table fête en dans parlement un jour samedi qui se passe là. Ou t'as boumé en pile pour te joindre une prise de parole. Et prise de parole, ça finalement, par rapport avec cet événement, il y a quelqu'un qui t'a dit une prise de parole anecdotique parce que c'est pas vraiment bien pas qu'on t'a souhaité. Dis-nous, est-ce que prise de parole, ça, t'es un bagage, t'es caché, t'es un message, t'es caché que Alfredo n'a pas été pour le délivrer. Bon, je salue et je profite de saluer mes collègues, députés numéro 1, et tous les téléspectateurs, téléspectatrices de TNH. Pour me répondre avec question, ça, je dis clairement que le président Garibaldo, lorsque les ouvriers séance, d'ailleurs, son séance qui fait un pile point qui est irrégulier la donne, donc je me réserve le droit. Pour me dire là pour le moment, mais m'a dit que demande de parole que me t'ai sollicité à non mais pour que président t'ait accordé moi l'elle fin parler parce que son séance qui était en continu que elle t'ai metté en continuation et pour recommencer séance là faudrait-il cause que ou t'ai évoqué qui t'ai metté séance en continuation l'y évacuer cause à pas évacuer son commission qui était montée en commission parlementaire. Donc, président Garibaldo dit que il recevoit un document détaillé de gestion et comptable de dernier public de quatre ministres que, qui étaient mérités des charges selon la Cour et que l'y édifié par l'Assemblée, le président. Donc, Baba et président aucun mandat pour l'agir en homme, l'aime dans l'Assemblée, non pareil cas. Voyez? Donc, le président dit ça, même solliciter la parole pour que demander ces commissions, c'est le rapport de la commission, d'ailleurs, elle était douée dans l'ordre du jour. Là. Donc, même, tu contesté ça. Parce que vu que la commission a dit pour aller évacuer, il y a quatre points constitutionnel, quatre critères que vous devez respecter pour venir ministre. Et pas seulement comptable de deniers publics. Donc, si vous êtes condamné à une peine affective ou infamante, ou pas capable ministre. Donc, tout critère ça pour élaborer, c'est à travers une commission qui a monté, qui reflétait configuration parlement, voyez, tout bloc confondu, et qui prend le produit en rapport pour assembler. Principe ça a été violé, mais sous bazar, pas même une séance. Et collègue m'a souhaité parler de séance d'interpellation. À noter que le député Alfredo Antoine fait partie du bloc majoritaire. Est-ce que le bloc majoritaire a marché dans la ligne et bloc minoritaire là? Non. Bloc minoritaire pas capable de faire nous leçon. OK? Donc, question d'interpellation, le 28, on était contre. Et si le Premier ministre était venu et m'assumer le vote PAM n'a pas favorable le 28, dans la séance 28 là qui était en continuation. Premier ministre est tombé à partir de décisions que le gouvernement prend et événement 7 juillet. Événement 7 juillet, quel que soit le pays où aller, le gouvernement automatiquement tombé. Dans quel que soit le pays. Alors, je me pose, député numéro 1, une question là, comme il a élaboré, et il n'est pas vraiment même soumis. Mais par rapport avec la configuration gouvernement, ça, et nous changer les gouvernements, tu as monté toutes différentes actions que tu as gagnées en groupe, et bloc politique, en parlement, pour te mettre le gouvernement à camper, pour tout le monde le partage de responsabilités dans le pays de ça. Est-ce que nous avons une sensation, groupe majoritaire et minoritaire ensemble, que votre de sens sur ça tapera le bail à la bien que le bail? C'est un vote de censure contre le Parlement tout comme entité qui participait dans mettre le gouvernement ça. Même aller plus loin. À noter, et m'a fait précision ça, que le gouvernement a monté. Et m'a toujours pris un recul loin parce que je connais que moi c'est parlementaire d'abord. Et me fait partie de l'issue de un parti politique qui est la troisième force et politique au niveau parlement. Et qui n'est pas intégré, qui n'est pas fait partie du cabinet ministériel. Mais au-delà de ça, depuis la campagne électorale, moi été épousé et cause, revendication et alors t'a dit programme politique de campagne et candidat à l'époque Jovenel Moïse. Donc depuis lors que moi-même que un groupe de 48 députés, c'est pas pour rien, 48 députés d'abord, qui dit que depuis la campagne nous a marché avec président Jovenel Moïse. Donc bloc là il existait avant même que président Jovenel Moïse et candidat à l'époque
Donc nous toujours dans de discussion avec le président, nous dit que nous chef avant au président. Et bien, mettez nous chef. Ben a fait de discussion interne au niveau bloc APH. Donc pour me rappeler, pour me dire que nous pas de jambes dans discussion pour que et comme parlementaire et n'a proposé de monde qui pour elle faire partie de cabinet ministériel. Mais ça pas épargné nous tout que les nous c'est bloc majoritaire et un bloc qui a appuyer l'action gouvernementale. Le passif du gouvernement est aussi et le nôtre. OK? Et actif, c'est pour nous tous. Donc, je ne suis pas député parce que bah, elle a passé mal et puis m'a couru. Je suis toujours sanctionné. Je suis toujours dit prendre position correcte, qui est légale, que moi qui est normal dans le moment que je dois prendre. Monter et sanction. Il y a plus que 3 mois. Que le gouvernement a prôné que pour le monter et produit en dépit que Haïti pas fait gaz, nous comprenons. Mais dans le contexte que le pays a vivre là, nous dit même proposition publique dans la presse, comme bloc, monde qui membre bloc majoritaire, pour nous dire que monter et s'instant, mais qui côté le aller, nous pas capable de faire pour le moment. Et nous-mêmes conseillers, c'est de trop fonctionnaires qui au niveau surtout de paresse intellectuelle n'a dit au niveau c'est vrai que c'est pas domaine PAM c'est plus chasse gardé collègue Lumière mais toujours dit au niveau ministère des finances il y a d'autres côtés pour que aller chercher cob pour aller chercher de taxes pas taxer population dans tous les pays du monde c'est monde qui plus riche de qui compenser pour les gens qui sont plus pauvres. Donc, ils ont même par paresse, ils ont fait des choix aussi faciles et qui menaient nous là. Donc, appui, bloc majoritaire là, il était compact, solidaire dans la première interpellation. Alors, solidarité, ça, bloc majoritaire là, pour nous faire quelques questions sur lui, dans l'émission pour nous garder pour nous, est-ce que le bloc ça a toujours été soudé. Mais, député Lubir, bon point qui est extrêmement important pour nous, bien que vous dites qu'il y a une satisfaction, il y a tout des points de satisfaction par rapport à avec séance qui finalement fait presque après 2 mois. Et il y a des gens qui ont dans l'intervention de député Wilson Hippolyte là, il y a un point important qui permet que séance qui paraît mêlée, mais quelque part, chambre députée à lui-même, il y veut sortir et pas sortir plus mal que ça. Parce que je vois pas parler là sur question affrontement pour le ministre de Dia, il y a des paroles qui sont capables. Et qui gens ou même ont apprécié l'intervention qui nous permettent que justement nous venions au courant que le premier ministre a démissionné. Non, au contraire, l'intervention a gâté tout le bagage. Le premier ministre, s'il était démissionné, il n'a pas de gain pour le présenter encore au Parlement. Il était gain seulement pour y signifier le bureau de la Chambre des députés de sa lettre de démission ou encore de la couper de la lettre de démission. Maintenant, si du moins le Premier ministre voulait démissionner quand même, il décafait devant l'Assemblée. Parce que il prend légitimité par devant l'Assemblée des parlementaires. Ça veut dire que il était qu'une après une fin d'intervention du Premier ministre, il a tapé noté. S'il a tapé noté, c'est que c'est un Premier ministre qui prend la réponse. C'est le Premier ministre. Maintenant, si d'avis après contrainte exercée par le groupe majoritaire sur le Premier ministre, là, parce que le groupe majoritaire là, est en situation très difficile. Parce que le Premier ministre te dit un bagage qui est très important. Je vais regarder Génanger qui est député dans la majorité qui va gagner courage pour voter contre moi. Alors c'est textuellement. C'est ça. Non, c'est connu de tout le monde, c'est écrit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde. Maintenant, lorsque le Premier ministre va démissionner, ou elle démissionner, si nous contraignons à démissionner, techniquement, on ne va rien faire. La primature se trouve à quelques mètres du Parlement, de la Chambre des députés. Pour éviter ça, faire un secrétaire, faire un délit pour lui, côté le chita, la signer un zélé, lui mettre pour des tribunes, maintenant, la répondre, la parler. Lui mettre une parler pendant 1 heure de temps. Après, la dit bon, président, je vais réponse à ensemble des questionnements que vous là et à la nation. Je suis sûr que me dit tout ça, je vais vous dire. Cependant, nous devons légitimité devant l'Assemblée. Je n'ai pas souhaité que, pour moi-même, comme chef de gouvernement et gouvernement, l'Assemblée a divisé. Et pour faciliter un bon dénouement dans la crise, je vais remettre démission. Alors, qui peut avoir l'appui que le papier est là-dedans? Du tout pas. Jusqu'à cette minute, personne n'a la lettre. Personne n'a la lettre. Mais sauf que lorsque un responsable d'État dit on prend une déclaration publique, maintenant, vous avez une déclaration non vaut.
Maintenant, il n'est pas capable de nous faire retourner sur lui. Alors, peut-être que vous posez Alfred une question. Il y a pour la vie que vous venez de la main. Écoutez, pour le Premier ministre, ben, l'État, c'est le président qui a été nommé d'abord que la soumettre démission. Il faut que lui, d'accord que le président, d'accord d'abord avec que lui accepte démission. Et puis c'est à ce moment que lui-même est capable de signifier parlement et décision que lui sorti comme Premier ministre, qu'il démissionnait. Il faut que le président d'abord accepte que démission. Il est simple, directeur général, ou soumettre démission, et il n'a pas accepté. Donc à ce moment, qu'il soit ou pas qu'il vienne faire annonce publique pour dire qu'il démissionne. Parce que mon président ne doit pas accepter. Donc là, il vient en bas, pas oublier que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Donc moi, c'est le lieu qui s'accoussait pour qu'un gouvernement, c'est là qu'il a tiré légitimité, il vient faire annonce publique là, il vient faire. Alors, il y a des gens qui ouais, il y a des gens et depuis le milieu, il y a des temps pour élaborer. Dans la sortie, ça pour le ministre Nafea, il y a en sortie côté nous capable de dire bah là t'as gagnant ni pour nous même dans le gouvernement pour pas perdre la face ni pour parlement tout par rapport avec question affrontement ça qu'on t'a parlé là et mais qui pas arrivé fait là et mais qui pas perdu la face est-ce que on parle comme ça nous même du tout pas au contraire parlement c'est lui qui perd la face parce que je vous dis il y a une interrogation quelle a été l'issue de la séance non l'interpellateur quelle a été l'issue de la séance donc si sérieuse déterminations, il y en avait. Quelle est la conclusion? Okay. Or, le Premier ministre n'a pas qu'à mobiliser tout appareil, l'État, sécurité, etc. Ou fait 3 heures de temps, 4 heures de temps, collègue Alfred Domon qui est en bas au tribunal. Il ne peut pas faire ça. Oui, c'est vrai, qu'on est. C'est tout là-bas. Pour le public, là, deux vidéos sont dans la même partie. C'est non seulement la même partie, c'est en mime, c'est vrai. Donc, mais la situation était telle, même il était compris pour le faire. Mais moi, je vais le dire d'ailleurs. Pas besoin que c'est une interpellation. Les actions du Premier ministre du gouvernement ont témoigné noir sur blanc qu'il y avait violation de la Constitution. Or, collègue Alfredo, tout collègue connaît qu'on ne peut pas voter sur des textes de loi. La Constitution est claire. La Constitution a établi les critères, les conditions, et collègue l'a sorti de manière limitative à satisfaire pour être ministre. Le fait par quelqu'un pas satisfait une seulement là-dedans, automatiquement, il n'y a pas de qualité. Donc, si le Premier ministre, dans un acte administratif, n'oubliez pas que l'administration se fait par écrit. Donc, le Premier ministre n'a pas qu'à venir devant l'Assemblée pour le dire, il était démissionné avant et qu'il n'a pas ce acte. Non, ça, Alfredo, moi sur blanc, dis-moi ni. Et le Premier ministre a été contraint de donner sa démission non suspension. Hein. Le Premier ministre là, joué à son crétinisme politique n'est pas un mot exact pour le sortir. Le Premier ministre est noir devant l'Assemblée à remettre démission. Très bien. Mais alors, concerté avec le président. Alors, pour parler. Alfredo Antoine, est-ce que stratégie ça vous démissionner et à, que ce soit à travers cette interpellation ou du moins c'est par rapport avec, je capable de dire, et pose la vie, prendre une permettre que j'aime nous dire à dénouement à la situation, c'est qu'on ça le fait. Est-ce que son stratégie gagnant-gagnant pour le Parlement et pour le gouvernement? Même penser que c'est un moyen qui est plus sage que le Premier ministre procéder pour que les vignes, au contraire, les reconnaître l'autorité parlement, les connaissent l'acte parlement qui était ratifié politique générale. Et puis, besoin font point sur ça que collègue Lumérance ont avancé, surtout que le Premier ministre dit qu'il pourrait venir affronter collègues députés du groupe majoritaire. Je ne crois nullement, aucun côté, que le Premier ministre dit qu'il pourrait venir affronter le groupe majoritaire. Il dit qu'il pourrait venir affronter les députés. Et c'est de bonne guerre. Dans en place, je dis tout. La veille pour montrer. Non, bon. Parce que quelque part, c'est nous-mêmes qui patrons. Non, il doit dire sous il y a une motion d'interpellation, il sur qui ça que collègue dit que interpellé surtout dans question violation de la constitution, la loi trace que l'on viole la constitution qui procédure, c'est pour procédure d'interpellation d'abord. Vous comprenez, au contraire, c'est on mise en accusation que l'on par la Chambre des députés l'on violé la constitution.
il n'a pas dit que c'est une séance d'interpellation. Et ensuite, un pile collègue, surtout collègue Luméran, qui t'a plié acte motion de censure là, qui est réquisitoire, si je dis comme ça, qui dit, mais qui sa premier ministre santé annoncé dans la politique générale, li, et mais qui sa pas fait. À noter que en politique générale, il n'est pas défini sous durée, il n'est pas jamais dit. Et tout collègue même, c'est mon aîné au niveau du Parlement, collègue Luméran. Donc le premier ministre vient avec 100 pages, mais on va jamais dire de tel mois. Et majorité premier ministre, c'est la première fois qu'elle fait face avec un budget. Bon, même pour un budget de la République là. Et énoncer politique pour ça annoncer ou mettre 4 mandats présidentiels, il pas privé vrai. Donc collègue yo connaît budget de la République là, l'on premier ministre vini et que le dit mais ça le pral faire 1 2 3 4 et au compte budget li moins que 2 milliards de dollars américains ou voter c'est pas qu'on a pour venir dire premier ministre on te dit pral faire ça mais il dit oui m'admettre que m'te dit même pas de bon successif et pas d'où qui durée pas d'où qui date que m'a fait tel projet ou exécuter tel projet d'ailleurs nous voter on loi de finances et tout projet qui lui est fait dans la loi de financement, lui si on conscrit dans l'année budgétaire là. Non pour regarder si justement. Mais on pas caveler tout pour le faire, pour l'exécuter. Pardon, toute salle dédiée que le bras le fait comme c'est son vœu, son annonce. Alors, moi député Luméran et Gégé Parole n'a pas de bouche toujours. Aucun problème. Alors, nous prenons la première respiration en émission ça. Nous prenons le donner parce que Jean-Noël a un débat très animé et son débat qui a fait vraiment non ambiance, bon enfant, côté ses arguments. Jean nous dit, c'est la force des arguments ou même qu'il a qu'à avoir une idée. Et moi-même, comme habite là, dans le là, vu les droits qui a servi, n'a pas tourné après pour ça. Haïti 360, n'a pas les politiques à souhait, ensemble avec député Jean-Marcel Luméran qui représentait la circonscription Grand Gouave en chambre députée. Et n'a pas les tout avec député Alfredo Antoine, lui-même qui représentait la circonscription Kinskoff en chambre députée, c'est Mamba PH. Même je reconnais les députés Luméran, les mêmes ils sont indépendants. D'ailleurs, vous avez réclamé, il était dans le groupe 16 députés qui étaient, ben, mettez question et mandé pour cette interpellation qui a été faite là. Et c'est lui-même qui t'a pris motion de censure là au niveau de la chambre des députés, donc son figure par rapport avec événement week-end. Et même avant, il faut que nous disions ça parce que les députés libérants sont anciens députés qui viennent retourner députés, mais qui sont très connus en dans la chambre des députés et dans l'espace politique là d'une manière générale. Jean Moutewelli, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé surtout de séance d'interpellation. Bien que il y ait quelques paroles qui vous parlent toujours, mais dans l'entrée sur ce qu'a fait, peut-être député Limérin, c'est le combat pour l'ajouter, député Alfredo Antoine, tout, ça l'a envie d'ajouter, l'ajouter. Deuxième partie, nous allons consacrer surtout à perspective. Pratiquement, Jacques Guy Lafontaine avec le gouvernement, là, bien qu'il a liquidé les affaires courantes et pas une loi qui dit mais durée liquidation des affaires courantes, là, eh bien, c'est du passé. Il faut qu'on accepte que c'est du passé parce que quelque part, le Premier ministre a annoncé qu'il démissionnait. Il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement en place en Haïti pour éviter qu'il y ait un vide au niveau de l'exécutif qui est bicéphale, genre nous connaissons en démocratie. Non? Donc, à partir de là, le quoi faire, c'est la question à laquelle deux invités pour répondre à Souya. Député Luméran, sous grand ajout à faire sous dernière intervention, Koutoufel, mais tout dit-nous tout, qui s'est doué fait là pour nous suspendre avec vide ça qui est annoncé en d'un pouvoir exécutif là. Alors merci. Nous avons fait un point sur le dernier remarque que collègue Alfredo fait. Lorsque il dit dans l'intervention qui était concernée la déclaration politique générale pour le ministre là, gagner de engagement premier ministre dit le brand que nous te reproché qu'il pas fait pas de problème pas rentrer là mais et le budget de l'annuel nous avons voté le budget rectificatif qui te fait des prévisions budgétaires pour des communes pour des sections communales qui ça fait tu yo nous avons premier le budget 2016-2017 c'est du passé aujourd'hui nous avons un budget 2017-2018 qui était 2 mois jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 2 budgets cumulés et aucun décaissement parfait sur le projet. Comment on comprend aujourd'hui et nous sommes capables de dire que ce gouvernement n'a pas violé la loi de finances.
si le collègue Alfredo dit qu'il n'y a pas de violer, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde est d'accord que dans le pays, si David Kinskoff bénéficie des projets communaux, des projets qui t'allouent là, aller dans la section communale, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le fait dans tout le pays? Alors, bon, est-ce que c'est commune qui ne soumettre pas document qui fait qu'il n'y a pas de alors, permettre que je fasse une intervention, et député, et Lumiran. Nous-mêmes, nous connaissons dans le champ de député, il y a une commission économie et finance. Est-ce que par rapport avec le contrôle que nous faisons, parce que la population est claire sur sa cap d'IA, par rapport avec le contrôle que nous faisons, le gouvernement est arrivé à collecter des ressources pour exécuter différents projets qui étaient en Nigeria? Et la majorité, c'est le contrôle des commissions phares. Commission finance, commission anticorruption, c'est yo. Maintenant, moi-même, moi comme indépendant, le président du bloc majoritaire m'avait qualifié d'entité négligeable. Donc, m'a même rapporté en commission. Donc, ça veut dire, je n'ai pas ce pouvoir. Okay. M'a même besoin d'entrer dans ça. Donc, nous sommes entité négligeable pour le président du bloc majoritaire. Donc, mais pour Gangoua, m'a négligeable. Et maintenant, perspective. Le fait est certain que Premier ministre Jacques Lafontaine, c'est du passé. Comme c'est du passé, il revient maintenant au président de la République que constitution bail autorité, bail pouvoir pour nommer Premier ministre, il vient pour consulter seulement les deux présidents des deux assemblées parlementaires, président Joseph Lambert du Sénat, président Gary Boudot, consultation pour dire mais moun li gagnent l'état capable. Ça c'est mission pas président. Maintenant le conseil au président par rapport à sa privée là, le premier ministre n'a pas aidé le président. Il n'a pas aidé le président parce que le premier ministre n'a pas besoin de temps samedi 14 ans pour le débat d'émission. Puisque moi-même respecter la position du collègue Alfredo qui était publiquement dit l'une majorité mais par rapport à l'événement qui passe là, il faut fixer des responsabilités et lui-même dans la majorité, il est désolidarisé avec le gouvernement. Donc, si on a une majorité qui est désolidarisée, automatiquement, on cherche à regarder comment on gère la question. Il faut aider le président. Mais nous autres aussi, notre contribution à travers un samedi, les grands en pile, et le pays a dû noter ça. Nous avons évité au pays le chaos. Là, même parce que, il y a des gens aujourd'hui qui apprennent ou libre sur ce qui passe, qui peut-être. T'as capable gagner des intentions cachées derrière nous. Nous autres, nous sommes bornés, nous, à ça la loi dit nous. Je ne suis pas parlementaire pour m'aller à la président. Je ne suis pas parlementaire pour m'aller dire qu'il faut que le président aille. La constitution et la loi pays a tracé pour moi la procédure à suivre. Si je ne suis pas satisfait de l'action du président, je fais mise en accusation. Donc, je me réserve pour me respecter la procédure constitutionnelle, la procédure légale, pour me contraindre quiconque à respecter les lois de la République. Alors, vous voulez me toucher là, peut-être que je me pose une question sur lui. Et n'a pas parlé non seulement de président, mais également de possibilités pour l'autre gouvernement. M'imaginez que minorité, ça, qu'on l'a donné, bien qu'on dit président, et majorité a dit que nous n'avons pas vraiment signifiant. Je pense que les paroles parlent pour dire, d'autant que nous sommes des acteurs prépondérants dans ce que fait là. C'est vrai. Les consultations d'après ça et constitution en 17 de président Chamio, mais nos consultations plus larges pour permettre de plus harmonie dans la société. Au cas où nous avons reçu invitation chef l'État pour nous d'acheter à parler avec elle, et possibilité ça existe pour nous capables de jouer un dénouement heureux à ça. Nous autres, comme députés, nous entendons déjà, parmi les 16, nous entendons que en aucun cas, nous ne pouvons pas participer dans la discussion. Dans le processus qui a conduit à la formation du prochain gouvernement. Nous sommes des députés issus de différents partis. Ils étaient à partie côté de Sotillon. Dans le cadre d'un gouvernement élargi, un gouvernement d'ouverture, c'est parti qui nous représentait. Ils voulaient collaborer avec le président. Ils voulaient intégrer, Mais nous autres, nous baillons tête, nous, mission pour nous prendre recul par rapport à tout le monde qui pourrait le faire. Partie du prochain gouvernement. Nous pas jamais entrer en consultation avec le président de la République. Nous pas aller en consultation, nous pas en discussion avec le président de la République. Tout pendant, nous te prenons disposition pour nous interpeller le gouvernement. Nous pas cesser de recevoir des appels, soit du président, soit du premier ministre. Mais pas une fois, nous pas choisir rencontrer. Parce que nous avons fait démarche
parlementaire, nous avons fait contrôle parlementaire, donc nous mettons pour nous faire recul ça, nous ne pas rentrer dans des mailles de formation du gouvernement. Alfredo Antoine, mettons nouveau gouvernement en place, demandez nécessairement pour une majorité qui l'a, qui peut voter, et que ce soit pour le ministre, mais également le gouvernement avec la politique générale. Jodi, dans l'état actuel des choses, est-ce que la majorité ça que nous connectons, bah, que nous réclamons, que 60 combien de députés là-dedans, journée aujourd'hui, la majorité ça va être soudée pour permettre que le processus mise en place au nouveau gouvernement y aille plus rapide? Je vais répondre avec question ça, qui une question qui est directe, mais qui me font élaborer sur question. Alors, que faut aller rapide, pas bien. Je vais faire rapide sur question que. Collègue Lumeran, sous Tripone, qui dit que il n'a pas fait partie de aucune commission parce que le président bloc majoritaire a estimé son quantité négligeable. Mm-hmm. Bon, entité négligeable. Il l'a dit. Et ouais. Bon, s'il ça, dit, il l'a dit, désolé, parce que bah, quoi, tout collègue qui en dedans, que ce soit minorité, groupe minorité ou majorité, il connaît capacité collègue Lumeran. Mm-hmm. Même Galdi. Et pour faire partie d'une commission, on va obliger président, secrétaire, rapporteur ou vice-président. Mm-hmm. Une commission qui a 15 membres, pas gain aucun dans aucune commission qui a empêché un député membre. Donc collègue là pas voulu faire partie de une commission, il a voulu que c'est président ou bien vice-président ou secrétaire rapporteur, mais chaque commission au moins il y a 15 membres qui fait partie de commission. Donc c'est là que je voulais arriver à vous même pour question par exemple fonds communaux. Mm-hmm. Il y a un ministère qui gère question budget investissement qui c'est ministère planification. Si yon collègue besoin à part de commission qui capable de mener de enquête approfondie au niveau ministère là, mais gen ministre en tout, c'est lui le premier responsable. Le premier ministre, il est le coordonnateur, le premier des ministres, mais il peut gérer un portefeuille bien déterminé avec un budget spécifique. Mm-hmm. Donc collègue là connaît très bien si que dans point ça budget qui a un rapport avec fonds communaux, n'est pas arrivé exécuté, on peut aller directement sous ministre planification et coopération externe. OK? Donc c'est lui directement, c'est lui le responsable. C'est pas le premier ministre d'abord. Donc monsieur collègue du groupe 16 interpellateur, tu as besoin fonds on comme tu as dit, ils ont fait politique, on acte politique pour opposer le projet qui c'est un acte constitutionnel que me reconnaître que on doit faire. Mm-hmm. OK? Et nous pour aller sur question posée maintenant, m'a mettons bémol, constitution dit président capable consulter deux présidents chamio, mais c'est là que n'y pas grand majorité parce que pas au niveau parlement, pas grand parti vraiment qui majoritaire. La figure ça. Oui. Donc si on pas grand parti qui majoritaire, on est obligé à consulter les deux présidents des deux chambres pour autour de nom pour dire que y a tel monde, est-ce que il y a tel nom que m'ta aimé pour ouais au niveau configuration politique parlement si tel nom ça a bien recevoir, est-ce qu'il va le passer. Mm-hmm. Dire que est-ce que bloc majoritaire là toujours été et soudé, m'a dit jusqu'à présent côté m'a parlé, m'a dit oui que bloc majoritaire là soudé puisque pas gain démission. Il y a une seule façon pour pas faire partie de bloc majoritaire, faut soumettre démission ou écrit et président bloc là pour dire que désormais tu ne fais plus partie. Alors, réponse n'a pas été facile parce que par rapport avec divergence de position que tu as gagné sur cas Jacques Guy Lafontaine dans cette interpellation, d'ailleurs nous connaissons, tu as des députés qui te dit voilà vini, qui te dit vini, y a bien censuré, qui te dit même beaucoup fini ou clair, faut que tu gardes toujours. Tu as une divergence, ça nous admet ça, et c'est pas tout député qui te voit que faut que tu sanctionnes gouvernement. C'est pas tout. Et que ce soit dans un groupe minoritaire, que ce soit dans un groupe majoritaire, ou t'es un monde qui était pro et gouvernement, qui était ouais que le doit être. Je me dis que à partir de effet, à partir de problème qui passait et 7-8 pratiquement c'est toi. Même ouais que gouvernement lit. Et démissionnaire déjà. Mm-hmm. On n'a même besoin de mandat ça parce que vu que l'ordre est passé, c'est dans 3 minutes où on paye en feu, bien que enquête, il y a une enquête qui a approfondi, qui montrait que tu as l'autre bagaille qui était là. Donc que enquête et nous prenons des groupes majoritaires là, écrit président en Bordeaux déjà,
pour que une commission parlementaire qui enquête sur fait ça a été passé. Est-ce que c'est seulement question bah monter Gaza et nous allons enquêter tout sur dernier CSPN qui était fait là, qui mesure qui était doué prendre, nous demander pour ces verbal là déjà, nous écrit pour demander qui mesure qui était doué prendre parce que et nous c'est le parlement, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale, il pas voté nous pour nous qui est fait négatif qui gagne de monde qui est dans hôtel, de touristes pour de monde. Est-ce que vous pensez de ces citoyens, de paisibles citoyens pour l'attaquer un hôtel qui abritait des touristes que nous pas fait dollars américains, c'est nous besoin des devises étrangères pour entrer dans le pays là, pour descendre question pauvreté, inflation que nous besoin descendre. Et tout touriste a décommandé et voyage que vous avez soit Haïti, c'est le dernier côté. Peut-être que nous avons tourné sur les conséquences économiques et peut-être même politiques de l'événement 7-8 juillet sur le pays d'une manière générale, parce que le capital là pour le coupable, c'est que l'économie pays. Une question me fait se poser, et Jean-Marcel Lemiram, d'ailleurs, je vais répondre à une question sur tout. Qui garantit, par la population, c'est une grosse critique que vous faites parlement, qui garantit, je vous dis là, que parlementaire, il y a prêté dans le rôle de contrôle, dans le rôle de législateur, qui constitue en bas, il n'y a pas mal interféré, il n'y a pas des postes exécutifs qui prennent le fait que le pouvoir de contrôle, ça va pas exercer et permettre que la population soit sortie dans sa liée et permettre tout. J'en ai dit que perception que le Parlement est l'élément fondamental dans le blocage là, mais perception ça a changé. Je vais répondre même avec collègue Lumeran parce que la réponse n'est pas différente de par collègue Lumeran parce que nous sommes issus. Alors, nous avons gardé là, après notre. Oui, nous sommes dans le même parti politique. Et nous sommes l'école que Kid Lai. Donc, je connais que le rôle PAM comme législateur, mais là pour me contrôler l'action gouvernementale. Et je ne suis pas là pour que je propose de monde qui pourrait aller comme ministre. Et même si c'était Kid qui était majoritaire ou qui était au pouvoir, donc qui nous avons joué le rôle nous comme législateur. Vous voyez? Donc, même pour que. Président, et c'est un appel, c'est peut-être qu'un moment pour me lancer un appel à l'endroit du président de la République là, pour que l'IFE ait un gouvernement qui reflète, un gouvernement d'ouverture pour ouvrir la main à la classe politique là. Pas aucun monde qui est capable de diriger, pas aucun président qui a prétendu qu'il a dirigé pays ça pour contre avec parti politique ou bien avec petit groupe Zamil. Et votre serviteur, député Alfredo Antoine de Kinskoff, m'a prêt pour me dénoncer, quel que soit collègue du groupe majoritaire qui connaît le bras imposé de ministre avec dans le prochain gouvernement. Donc que le président ait toute l'attitude pour que lui fait pour monsieur au pensé pays. Il est que pour nous ouvrir, pour nous connaître que ces pays n'ont pas construit un pays de richesse. Donc si parlementaire ou là pour contrôler, et puis même nous-mêmes, on a proposé des ministres pour le gouvernement qui ne sont pas capables de prendre tout pouvoir pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons contrôlé. La question, c'est qui contrôle donc, les parlementaires. Justement. Donc nous là pour que ces présidents, ces moments plus que jamais, pour que le connaît que un seul parti politique, un seul secteur pas capable de diriger le pays. Donc pour gagner pile monde, gagner pile ressources dans le pays qui qualifié pour que le font gouvernement d'ouverture, un gouvernement largement large, vous comprenez, et que tout le monde capable de ressentir nos cabinets ministériels et de monde qui était contre politique qui là qui gagne le pays pour que nous allions vers stabilité politique là. Président toujours dit la stabilité politique c'est le plus grand bien public. Donc que le mettez en œuvre là en pratique pour le moment. Haïti 360 n'a pas les politiques avec Jean-Marcel Lumeran et avec Alfredo Antoine qui respectivement c'est député Grand Gouave et Kinskoff que nous connaît et Alfredo Antoine lui-même est dans le groupe majorité APH et Jean-Marcel Lumeran lui réclame l'indépendant mais c'est deux députés qui sont dans le parti politique qui liquide convention unité démocratique. Dernière question dans la dernière ligne droite émission hein, Jean-Marcel Lumeran que le virgule Bavel le jour et jour exécutif la serré gratigné, image n'est pas trop bon. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, l'exécutif là toujours aux premières loges, tout le monde s'est lié. Ouais. Cependant, le Parlement tout, et par rapport avec l'événement 7-8 juillet, yo, nous ouais tout, image li et parlementaire, pas trop bien vu par la société. Qui s'est-ce que tu as fait par rapport avec
nous capable dire séance ça salvatrice pour certains mais qui était faite samedi dernier et ben qui ça que t'as dû faire journée aujourd'hui pour laver image parlement pour montrer la population qui effectivement moun sa que relé les élus du peuple que vous voyez en bas dans la logique de représentation qui gagne dans la démocratie participative et représentative là que moun sa c'est intérêt y a défendre et que moun sa bataille pour qu'arriver joindre bien net que l'on a cherché. Est-ce que nous même dans minorité là nous gagne temps à réfléchir sur ça pour laver image parlement pour nous faire tout bon vrai parlement servir population. Moi j'apprécie question. J'ai même t'a dit même j'avais collègue Alfredo que aujourd'hui seule chance parlement gagne pour lui laver vigueler c'est confiner dans rôle que constitution que la loi bali ça veut dire faire travail de contrôle le pas puis pas à la fois législatif et exécutif ça veut dire si des groupes parlementaires des blocs parlementaires à entrer dans démarche dans logique pour imposer des monde pour représenter dans exécutif là automatiquement même ça produit là année prochaine là même la confusion des pouvoirs parce que nous déplorons ça passé week-end 6-7 juillet, mais il traduit beaucoup de choses. Il traduit la frustration de la population, il traduit la méfiance de la population pour les gens qui dirigent. Quel est le député, sénateur, ministre ou président? Donc, il dit, les gens ne sont pas inspirés de confiance. Donc, je dis, il faut faire un recul pour nous dire, si c'est comme ça, nous devons faire. Ou au moins nous lançons, nous voyons l'autre image. Et si nous avons l'autre image, moi je crois que nous tous net, parlementaires, présidents, ministres, nous tous dans l'œil du cyclone. Et je pense qu'il y a des événements qui arrivent dans le pays qui sont beaucoup plus regrettables que ça qui passe le week-end 6-7 juillet. Donc nous souhaitons que nous autres parlementaires, que ce soit de la minorité ou de la majorité, nous ressaisissons comme c'est parlementaire avant tout. Oui. Et comme c'est parlementaire, nous devons atteler nous à faire le travail du parlementaire, à savoir contrôler les actions de l'exécutif à travers les modalités de contrôle établies par la Constitution, le règlement intérieur et les lois de la République. Très bien. Alfredo Antoine, en APH, opération lave figue parlement, comment c'est déjà? Même penser que c'est vrai que en pile collègue doit prendre conscience de son cap privé jeune nous de population qui votait nous que nous sorti dans mi-temps et quelques années plus tard soit nous dans troisième année de législature qui ou après commentaire en pile monde dans population c'est pas parce que c'est pas même t'a dit que si collègue luméral la Kaili Gangouave il y a une bonne partie de la population toujours confiant de lui. Et c'est pareil pour moi même qu'est-ce qu'on fait. Moi, je regrette que c'est même Cap Dil. D'après ce que que Caméra et TNH montent qu'est-ce qu'on fait pour le que j'ai toujours été proche de la population. Parce que je n'ai pas un chef, c'est un serviteur remis. Que toute population bon vote là pour le défendre, pour que ça le besoin quotidien et ou prendre des décisions qui a changé conditions de ville qui a pas amélioré. Donc on pense que c'est fort ça que tout collègue nous doit faire pour comprendre que ces peuples là nous ces émanations peuples là nous sont dans mi-temps dans matrice li, que nous devons plus à l'écoute de population que on fait partie du groupe majoritaire ou minoritaire dénominateur commun que nous avons en Haïti en travail pour émancipation pays ça voyez pour que nous un pays qui fait qui était qui gon on t'a dit que qui gon histoire unique voyez que tout le monde t'a aimé venir visiter t'a aimé connaître pays ça qui c'est Haïti voilà ce que nous mêmes qui c'est fils authentiques de pays ça nous pas reconnaître valeur ça et à travers le monde au passé c'est plus belle épopée qui est que tout le monde t'a aimé venir vraiment venir en Haïti mais nous mêmes nous toujours bataille on lutte et intestine et querelle politique nous pas jamais arriver entendre nous pouvoir opposition si président alors si le pouvoir actuel d'ailleurs depuis dans l'élection tout nous pas jamais reconnaître pour gagner elles ont prendre ou te mettre ouvrir bras pour dire on chite ensemble parce que on fait pays parce que petit pas besoin de vivre c'est au toi où je m'y mettre c'est ça qu'a fait m'a retiré député Luméran même pour me rentrer Luméran d'est retiré et Haïti lui-même c'est lui-même qui a perdu donc je pense que c'est moment plus que jamais pour que nous qui c'est de dirigeants de l'État
des responsables pour que nous prenions des décisions qui peuvent aller au bénéfice de la population et consacrer la population à pour prendre confiance dans l'institution, ça, qui Parlement, qui joue un rôle de vigie, de contrôle pour que pour le faire exécutif là, marcher. Très bien. Depuis longtemps, depuis le commencement de l'ère démocratique, là, eh bien, pouvoir politique, c'est toujours dans laisser frapper que vous avez dans le pays. Et laisser frapper pouvoir politique, toujours créer de grosses tensions dans le pays, ça, qui ont des conséquences néfastes. D'ailleurs, c'est une raison. En pile, grand monde qui a réfléchi, pour Mirad Maniga, Pierre-Raymond Dumas, eh bien, c'est une raison qui justifiait que la transition démocratique, là, par exemple, a fini en Haïti, parce que la bataille qui gagne pour hégémonie en deux pouvoirs politiques dans l'État, probablement avec exécutif là, c'est mon bataille qui date de aujourd'hui. C'est vrai, démocratie n'a pas qu'à fonctionner sans séparation de pouvoir et faut que tout le monde, tout acteur, comprenne que faut que nous vivions dans la dimension ça. C'est vrai, la constitution a lui-même a des problèmes par rapport à la distribution des fonctions que le fait côté un pouvoir empiété sous terrain l'autre. C'est pour raison ça fait des amendements, c'est pour raison ça tout qui fait des débats qu'a fait pour ta nouvelle constitution dans le pays. Mais en attendant, ça nous gagne comme cadre légal là, ça a pour nous servir, ça a pour nous courir des bien-être là, pour collectif là, pour souverain lui-même qui élu Jean-Marcel Lumeran, lui-même qui mettait Alfredo Antoine, député et chef syndicat comme ça, qui mettait Jovenel Moïse dans le palais national. Mais en attendant que souverain arrive à une satisfaction par rapport avec prise de conscience que nous avons gagné sur le plateau, ça pour chaque monde jouer un rôle et permettre que le pays monte tout le monde sur le changement et le développement, je vous invite à continuer à suivre la télévision nationale d'Haïti et continuer à brancher Haïti 360 parce que c'est là que nous avons construit l'histoire, nous avons fait promotion, connaissance éclairée. Bye bye tout le monde, rendez-vous cassé pour une prochaine édition. Jean-Marcel Lumeran, merci en pile. Merci Lionel. Alfredo Antoine, merci en pile. Voilà. Donc, rendez-vous, c'est dans la prochaine édition.